Bonjour et bienvenue, on est reparti pour Dredge. On doit être à la 7ème peut-être vidéo. On avance bien. On avance bien. On est de retour au bassin des astres. Et on va se concentrer. La dernière fois on avait fait pas mal de petites quêtes. Alors on avait vu que une des silhouettes bleues là, enfin une des silhouettes et celle en bleu était morte. Hélas. Donc c'était apparemment une quête timée. Donc ça c'est un peu chiant. Par contre on a fait celle dorée, elle nous a donné un livre. Donc on va se concentrer maintenant sur récupérer tous les échantillons qui nous manquent. Et apparemment tout... Alors si jamais on trouve pas, on va lui reparler et lui redemander où se trouvent les échantillons. Mais normalement ça devrait être ici. Donc on va aller pêcher. Faut d'abord aller... Il est quoi? Il est 2h. Ouais, on va devoir aller activer... activer le l'anti-créature là. On va y aller, c'est là-bas du coup. Ah c'est là. Ok. Alors générateur. Oui. Okay. Pourquoi? C'est quoi ça? Ça, on l'a déjà. Limace calcifiée. Dans les profondeurs, il attend son heure. Tu peux me donner le spécial? Non? Ah! Ok, ça doit être ça sûrement. Ouais, mais non, mais ça aussi on connaît. Pas trop... Ouais, non, ok. Il va falloir qu'on aille voir où est-ce qu'on peut récupérer les deux autres espèces, là. Parce que là, je comprends pas. Là. Là, je comprends pas. Aussi, on a fait... une bonne mise à jour de notre bateau. Merde. Il est vraiment bien maintenant. On a ça. Genre abysse, grand fond et océan en une fois. Donc ça c'est vraiment cool. Attends, là ça c'est poisson limace. On l'a déjà donné. Hein. Ok, donc ça c'est la variante. Ah ouais, il y a ces deux là. Bon, on va aller lui parler parce que je sais pas où c'est. Désolé, je me trompe un peu dans les touches parce que j'ai joué à... Entre temps, j'ai joué à Resident Evil 4 Remake et du coup, le... j'y joue aussi avec le clavier souris. Maintenant, je... 470, vache. On a aussi autre chose à faire, c'est... une stèle qui nous parle de requins. Je voudrais bien pouvoir la compléter en fait. Et voir ce que c'est la récompense. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, ouais, mais tu... Alors,
Moi, c'est... Attends, c'est... Dragagodé. Dragagodé et... Baudroit. Je crois que celui-là, on l'avait déjà... Non. Dragagodé, peut-être. Pas longtemps, qui sont des créatures attaquées. Mais elle va pas me dire de... Non. C'est moi qui... C'est moi qui les vois pas, les poissons? Ou comment ça se passe? Parce qu'ils sont pas là, hein. Oh, le machin qui bouge, je crois. Ah, il est revenu. Ah non, c'est bon. Je peux là? Ah! Grand gosier pélican. Rares sont les humains à avoir vu cette créature. Sa grande mâchoire peut s'ouvrir sur une largeur supérieure à la longueur de son corps. Attends, ça par contre, je crois que c'est quelque chose. Grand gosier pélican. Ouais, ouais, ouais. Faut donner ça à la marchande, elle est pas loin en plus. Ça aussi, on s'en fout. Attends, je vais refaire un tour. On va réactiver machin, là. On va refaire un tour au centre. Ça m'intrigue, là. On est reparti. C'est ça? Ouais, non, mais ils sont bien là. C'est juste que je suis aveugle. Par contre, je voudrais bien un autre, mais j'ai pas la place. Oula. Oh. Nickel. On va dormir. Il y a aussi une chose que j'utilise pas vraiment. Bah, après, je vais être honnête, pour le moment, on n'a pas vraiment l'utilité. C'est la longue vue, en fait, tout simplement. Parce que la longue vue, c'est vrai qu'elle peut nous aider, voilà, à trouver les différents poissons. Et elle voit de très loin, comme là, par exemple. On peut... Ouais, en fait, faut aller dans la direction. On peut pas marquer, c'est embêtant. Mais ouais, ça c'est un truc aussi, il faudrait, si vraiment on utilise un poisson bien précis, on cherche un poisson bien précis, on pourrait utiliser ça. Surtout que on bougera pas, donc le temps va pas défiler. Donc ouais, ça aussi c'est un truc. Il faut penser à ça. J'ai trouvé un grand gosier. Je vais ajouter ça à mes dossiers. Tiens, prends ça. Okay, ça marche. Merci bien. Nickel. Là, on a deux de recherche.
suis en train de me dire que d'avoir un côté au fond, ça peut être pas mal, mais... La mangrove et volcan, peut-être qu'on va en avoir besoin à un certain moment. Je sais pas, pour l'instant, on va les garder. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête. Ah. Je vais juste faire un peu d'argent. On a combien? On a 3 500 $. Oh, vache. Ah. Je crois que niveau argent, on est bon. Hein. Bon, maintenant, on va regarder, parce que faut que je me concentre sur... En fait, c'est super simple de se perdre dans ce jeu, où vous avancez plus dans vos quêtes, vous faites tout et n'importe quoi. Donc, faut que je me concentre. Donc, il nous faut un Dragagodé. Ok, Dragagodé. Donc, vu que j'en ai parlé... Barracuda. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Poisson de masse. Géant. Héros rouge. Est-ce qu'il faut genre faire ça ou pas? Héros rouge. Dragage, ça c'est des... c'est du tissu. Mais attends, je suis plein là, non? Non, c'est bon, je peux en prendre. Ok. On va lui vendre ce qu'on a. Comme d'hab. Alors, fais voir ça. Voilà. 800. Et ça, c'est pourquoi? Améliore votre bateau et votre coque niveau 3 et ajoute 9 espaces dans la cale. La coque peut encaisser un impact supplémentaire. Voilà. Regardez bien la tête du bateau, il va changer. Ok? C'est parti. Tada! Yeah! Très bien. Donc maintenant, on a quoi là? Espace pour canne à pêche, espace pour filet, espace de cale. Espace pour moteur, c'est quoi? D'accord. Ouh, ah ouais, d'accord. Maintenant, c'est... Ouais, c'est bien grand. Ça marche. Contenir des lumières. Ok. C'est un peu étrange comme système, mais... Le moteur, ça va
pas trop nous aider. Pas si on pourrait mettre un autre petit en fait. Qu'est-ce qu'on a en réserve? On a beaucoup de métal et on a un peu de bois. De toute façon, c'est pas perdu. Hein. C'est vraiment, c'est des trucs qu'on va faire au bout d'un mois, un jour ou l'autre, quoi. Donc, honnêtement. Il y a rien qui demande du métal spécial là? Non. Genre ça là. La cale. J'aurais dû peut-être mettre plutôt la cale en fait. Maintenant que j'y pense. C'est pas grave. Alors fais voir un peu la tête que ça a maintenant. Donc on a le treuil qui est ici. Ça qui est là. On peut mettre un filet. Hein. On peut mettre un filet, remettre un filet. Vu la taille qu'on a. Ah mais attends, non, le filet non, c'est là. Le treuil, on peut le mettre n'importe où. Ouais, le treuil, on peut le mettre n'importe où. Très bien. Juste histoire d'avoir un peu de... Je sais pas. J'aime bien le filet. Alors, on fait voir un peu. Ça rend fou de... d'avoir un poisson qui nous manque, là. Il doit être sûrement la nuit. Ah non! Non, c'est pas celui-là. Celui-là, on l'a déjà. Non, ça doit être la nuit, alors. On va voir. On va dormir toute la journée. Ok. Très bien. Casse-toi, toi, t'avances pas. Hein. J'en sais rien, comment ça fonctionne. Je sais pas du tout là. Il manque un type de machin. Je sais pas du tout. Genre ça, c'est pas ça. Et ça, ça nous attaque ou pas? What? Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Ça les tue. Je comprends pas là. Peut-être que si on reste à côté quand elles explosent, c'est pas bon. Non. Putain, je dois être teubé en fait. Alors attends, parce que là il y en a. C'est les... Ça qui fait partie des abysses. C'est quoi ça? Métal. Prendre le métal. Faut que je regarde dans l'encyclopédie. Le filet ce qu'on a. Ça c'est les trucs avec les lampes là devant la tête. Donc non. Là on a quoi? C'est quoi ça? Ça c'est les petits machins. Écoute. C'est chiant ces trucs en fait, ça pourrit ton... ta pêche en fait, ça prend de la place et tout, ça vaut rien. Ça tournait en rond. On va regarder le... l'encyclopédie là. Et on va faire ça aussi. Très bien. Okay. Très bien. Alors. Donc le dragagodé. Un berbe. Alors. Je peux aider à chercher à récupérer les enchantillons dont elle a besoin. Je récupère les enchantillons sur feu, brancher la machine. Dragagodé. Ah ouais, mais si je le connais, si je sais pas à quoi ça ressemble. Ouais, je suis pas sûr que ça m'aide en fait.
Ah si, la forme. Si, c'est ça. Dragak Godé Moribond, c'est ça qu'il me faut. Oui, parce que je le connais, celui-là. Ah, je... Oh là là, je suis bête. Non, ça, nous, c'est le Dragak Godé Imberbe. Non, c'est pas le même, en fait. Ok, j'ai rien dit. Nous, on connaît le Moribond. Ah non, ça, c'est le normal. Putain, oh la vache. Putain, je me prends la tête. Donc, canne à pêche, bassin des astres. Sprater dont une zone dans les yeux émet une lueur rouge face à l'aide de ses dents acérées, son estomac peut se distendre afin de contenir les proies plus grosses que lui. Donc jour et nuit canne à pêche. Donc, jour et nuit canne à pêche. Et ça se trouve du coup au bassin des astres. Donc c'est bien là. Ok. C'est fou ça de pas le trouver le machin. Alors, à moins que ça soit pas au centre mais aux alentours. Après, ça dit que ça se trouve le jour et la nuit. Donc, on va aller dormir. Comme ça, on verra un peu mieux. Ça sera un peu moins dangereux. Et on va regarder les arbores du centre. Je vois que ça, là. Allez. Pêche avancée. Lecture terminée. Les cannes à pêche remontent le poisson 15% plus efficacement. Poisson vogue. Ouh la vache, de voir les vagues comme ça, ça me gêne pas du tout. Des bois. Avec un marteau. Je sais pas si ça m'aide vraiment, ça, honnêtement. Enfin, oui, dans un sens, le temps passe pas, je bouge pas. Le rouge. Putain, on va le trouver, le machin, quoi. Truc qu'on connaît pas. Ça doit être de l'autre côté, je pense. On va continuer à faire le tour. Ah, Dragonin Berbe, trouvé.
c'est bon. Apparemment, il y en aurait un spécial ici. Compliqué. On a un peu tourné en rond, j'avoue, mais bon. On a pu faire nos augmentations et tout ça. Maintenant, on a un bateau cool. Alors, tiens, on a ton truc. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que les échantillons que tu as récupérés dans le bassin présentent un nombre dangereusement élevé de mutations cellulaires. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plus d'informations sur ce qui cause les anomalies dans l'écosystème. Tout ça signifie que les choses dans le bassin sont dangereuses pour la vie au niveau cellulaire. Elles endommagent tout autour d'elles, soit involontairement, soit intentionnellement. Je dois tout de suite rédiger un rapport sur mes découvertes, pardon, nos découvertes. Je vais enfin pouvoir être pris au sérieux. Oh, où sont mes manières? Tu as fait tout ça pour moi et je n'ai pas grand chose à te donner pour te remercier. Tiens, prends ça. Ajouter à la cabine un plan pour l'avenir. Ah, c'est un livre, ok. Quelque chose que j'ai écrit pendant mes études, je pense que ça pourra t'être utile. Merci encore pour ton aide, je te recommande d'éviter la zone, ça n'a pas l'air très sûr près du bassin. Alors, tu vas me dire qu'on a fini avec elle? Apparemment, on a fini. Bon. Bon. Moi, je l'aimais bien, là. Écoute. Marrant. On va aller vendre tout ce qu'on a. Un requin tracker. Ouh, les yeux dégueulasses. Ouais, alors attends. Ça a vraiment une sale gueule. D'énormes yeux globuleux s'agitent au bout des grandes tiges de chair, siphonnant l'énergie du corps de cette créature sans arrêt en traque. Dégueulasse. Je veux bien prendre ça, mais j'ai pas de place. Attends, c'est peut-être petit. J'aime pas trop ce qui se passe. Ah. 772$ avec tout ce qu'il y avait dans le filet en plus. Ah ouais, quand même. Ah, j'avoue que le filet, ça fait de l'argent. Ça à lire. Bon, bah du coup, on a fini l'histoire avec elle pour le moment. Donc pêcher les poissons rares, bon ça on les trouvera quand on se balade.
Bon, bah maintenant, relique. On peut aller autre part. On peut aller autre part. C'est parti. Donc, la rive retorse. Bon bah go, hein. Go à la rive retorse. Donc plein nord. Plein nord. Je sais qu'on a un endroit là avec les requins. On verra ça plus tard. J'ai envie de découvrir des choses. On s'était aventuré là? Merde. Je regardais l'heure. Une botte. Ouais, non, je crois pas qu'il y ait quelque chose. Je dois bien traverser l'océan avant qu'il fasse nuit. On connaît ça? Je crois. Oh, c'est quoi ça? C'est un avion? La saloperie! Pas mal! J'avais pas vu venir celle-là, tiens. Oh, encore un mec. Ah, du coup, on va devoir faire ça. Alors, nourris la bouche. Un tarpon. Aïe, 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 aïe. Un tarpon. Où est-ce qu'on trouve des tarpons? Et en plus, c'est la nuit. Ça va bien se passer, tiens. Attends, ça avait quelle gueule... ça avait quelle gueule ton machin, ton tarpon, là? Merde. Ça? Oh là. Ok, c'est long. Trois cases et c'est long. D'accord. C'est ça? Au fond. Rive retorse. Ok. Rive retorse. Rive retorse au fond. Sûrement par là plutôt. C'est là. Ok, me faites pas chier, je suis juste là à pêcher.
Oh, un tarpon verruqueux. Des écailles ont fait place à de la chair couverte de verrues. Ce poisson très présent à la surface profite du soleil. Il y a des bruits étranges, honnêtement. Bon, est-ce que je peux passer sans me faire bouffer? Oh. J'ai toujours la protection au pire, hein, genre le flair là qu'on balance. La silhouette tient le poisson devant son visage et l'étudie en le serrant fermement. Après quelques secondes, le poisson explose sous la pression. La silhouette fouille l'amas, sanguignolant, et prend le cœur. Elle le met sur sa langue. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh non, c'est un crabe. Non. C'est un crabe. Par contre, on a quoi dans le filet, non? On a ça, mulet. Un poisson ordinaire qui fréquente souvent les zones sableuses ou boueuses. Une des rares espèces à pouvoir survivre en eau saumâtre. Okay. Alors, donc il nous faut un crabe. Je pense qu'on va rester dans cette zone-là. Ah bah tiens, il y a un port là. Peut-être qu'on va trouver la marchande ambulante là. J'ai cru entendre une corne de bateau. Oui, derrière. Je vois de la lumière. On va faire ligne droite dans la lumière. Oula. Faut pas écouter les voix. Faut surtout pas écouter les voix. Oula, quelque chose s'est glissé dans votre cale. Donc c'est bien elle. Tarpon infecté. Ok, parfait. Je sais pas si on prend des packs d'explosifs, je sais pas si c'est utile en fait. Enfin, pour l'instant on va dire non. Ok, comment on passe à l'intérieur? Mangrove. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est quoi ça? Merde, peu. C'est chiant. Oh là là. Il y a un avion là. Non, je suis garé, tu peux pas m'avoir. Je suis amarré. Ok, je crois qu'il est parti. Quoi cet endroit? Quoi cet endroit de fou? Alors, par contre, là, il nous faudrait peut-être... Donc, mangrove au fond. Ouais, mais on peut pas... Faudrait de la canne à pêche mangrove, en fait. Celle-là. Parce que si on est dans cette dans cet endroit, du coup, il nous faut ça. Du coup, je pense... Bon, on va garder ça. Je pense qu'on va enlever le filet. Ouais, on va être obligé d'enlever le filet.
Hop. Parfois appelé Crossy blanc, ce poisson gris se nourrit de tout ce qui est plus petit que lui, y compris les petits de son espèce. Il y a un bruit d'enfer à côté de moi, je sais pas ce que c'est. Ah, on pêche vite, hein. Quoi ce machin? C'est un piège! On dirait une sorte de piège. Il y a plein de champignons maintenant. Il y avait plein de champignons depuis le début là. Ah ok, je suis devant l'avion. Putain, je cru que j'étais perdu quoi pendant un moment. Faut qu'on aille voir les crabes. Faut aller donner à bouffer à l'autre. Est-ce que tu me vends des filets ou pas? Ça, je le prends. Non, c'est pas là. C'est là. Merde! C'est pas exactement là que je voulais le placer. Limule, c'est bon là. Ouh, crabe des palétuviers. Faut que je bouge. Ça va, on se casse. Alors, le limule, faut pas le vendre. Ah. C'est cher, hein, le machin. Alors, le limule, faut pas le vendre. Par contre, pour trouver où c'est... Ah, c'est l'île qui est là-bas, je crois. Bon, ça se passe bien. Ouais, on a ton machin bizarre. Retourne l'animal pour exposer son ventre mou. Elle arrache ses entrailles à l'aide de ses ongles acérés et le dévore frénétiquement. Consomme le ciel. Le dernier parchemin. Le poisson revenant. Ça, on connaît aussi.
Poisson revenant, il y en a peut-être un pas loin. Non, ça, c'est pas ça. Là, on a un autre truc des abysses. Je crois que le poisson revenant, il va falloir revenir en, vers là-bas. Poisson revenant. Ouais, bassin des astres, jour et nuit, canne à pêche. Bassin des astres, canne à pêche. Bassin des astres. Ah, on peut bouger aussi quand on fait ça. Ouais, bah, bonne. Si vous voulez avoir le mal de mer, c'est parfait. Je voudrais bien avoir un meilleur moteur. Poisson revenant. On va en prendre plusieurs tant qu'on y est. Ok, c'est par là. Bien notre petit bateau. Commence à manger le poisson par la tête, mordant la chair pour trouver le cœur. Une fois le poisson à moitié englouti, elle s'arrête et le jette. Elle saisit un livre. Le ciel va s'effondrer. Merci. Au fond, à fond les moteurs. Ah, c'est bête d'avoir loupé un livre. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça m'embête d'avoir complètement loupé un livre avec la première silhouette. Et ouais. On va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter ici, je veux dire. Peut-être faire le tour des crabes. Voilà. Oula, la nuit il aggro de plus en plus loin. Calme-toi, le machin. Ok, très bien. On va les garder, juste au cas où, si on en a besoin. Ok, on est remonté à 3002, ça va, c'est très bien. Donc là, il nous en reste un. Pour l'instant, on va rien faire. Il nous faudrait, ouais, celui-là, là, ça peut tout faire, c'est top. C'est top, c'est top. Ça, pour le moment, on peut pas avancer. On n'a rien à acheter. Ok. On va s'arrêter là. Ça sera notre petit épisode de Dredge. Et ben, on a bien avancé. On a fini donc le bassin des astres. Pour le moment, on a fini ça. Avec la chercheuse et tout ça, on a fait son arc, son histoire. On va continuer sur la rive Retorse. Et voir un peu ce qu'il en découle. Nous, on doit chercher... Alors, c'est quoi qu'on doit chercher? Les reliques, donc... c'est le collier. C'est le collier sur la rive Retorse. Donc, ouais. On fera ça la prochaine fois. Faut qu'on aille voir le... l'avion, là, qu'on a vu crasher. Donc, faut aller examiner ça. On va dormir et on partira, donc, le matin.
En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.